J'habitais Buenos Aires, j'étais étudiante à la faculté des sciences économiques et j'avais des rapports de famille très affectueux, mais un peu conflictuels, parce que à Buenos Aires, j'étais considérée un peu comme une révoltée. Je ne savais pas ce que ces mots veulent dire, mais il paraît que j'étais une révoltée. Qu'est-ce que ça veut dire de révoltée? Ça veut dire qu'est-ce quand on vous demande quelque chose, vous demandez à votre tour, pourquoi vous me demandez ça? Vous n'acceptez pas comme ça qu'on vous passe à la question, entre guillemets. Donc, un soir à Buenos Aires, mon père est entré dans ma chambre pour me dire, tu peux pas continuer à mener la vie que tu mènes. Je ne sais toujours pas quelle vie je menais, mais il paraît que j'étais révoltée. Donc, ou tu changes, ou tu t'en vas. Il fallait pas me dire ça. Donc je lui dis du tac au tac, d'accord, je m'en vais, mais laisse-moi le temps d'organiser mon départ. Et j'étais terrorisée parce que j'ai dit je m'en vais, mais je ne savais pas où je m'en allais, ni avec quel argent. J'avais très très peu d'argent. Je suis arrivée à Paris avec beaucoup d'accréditations, y compris celle de la Cinémathèque argentine auprès d'Henri Langlois de la Cinémathèque française. J'étais reçue par Henri Langlois. J'allais tous les soirs voir des projections à la Cinémathèque. Et peu à peu, j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont devenus mes amis. Je me suis trouvée un peu moins seule. J'ai vu un monsieur qui parlait avec Langlois. Il me regardait en souriant. Et Langlois est venu vers moi pour me dire « Ce monsieur veut vous rencontrer ?» J'ai dit « Oui, mais qui est-ce » Il dit, c'est Abel Gance. Là, j'ai sauté en l'air, quoi. Abel Gance, Napoléon, j'accuse, tous les films que j'avais vus à la Cinémathèque, l'admiration que j'avais pour lui. Et on nous a présentés. Et après ça, vous avez travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui. J'ai eu une chance folle. Un des plus grands créateurs du cinéma qui vous dit un jour, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Vous l'avez aidé pour la tour de Nesle? Oui, pour la tour de Nesle, simplement, il m'avait dit. Si vous voulez un jour réaliser des films, il faut être aussi de l'autre côté et voir comment ça se passe. Et donc, c'est comme ça que j'assistais au tournage de la Tour de Nesle. D'un côté, j'allais voir comment il tournait. Et puis, il m'a dit aussi, vous allez jouer un petit rôle. Parce qu'il faut vous mettre aussi dans la tête de ce qui se passe chez les comédiens quand on le fait jouer. Et c'est comme ça que j'ai joué dans la Tour de Nesle. Et un peu plus tard, on a fait toute une série de films avec ce qu'il avait inventé au moment de Napoléon, c'est-à-dire on a fait des films sur trois écrans, écran central, écran gauche et écran droite. Et il m'a jeté comme ça dans le bain, il a dit « Maintenant, vous nagez ». Et je lui suis très reconnaissante parce que, à force d'affronter des difficultés, j'ai appris aussi comment les surmonter. Et vous avez fait un film Abel Gance et son Napoléon. Ça, c'était un peu plus tard. Et j'avais vu des documents où on voyait comment Napoléon avait été tourné. Alors, je me suis dit que ça aurait été très intéressant que Gance même, en voix off, commente toutes ces images de films. Et c'est comme ça qu'Abel Gance et son Napoléon est né. On va parler d'Austerlitz. Oui. Parce que Austerlitz, tu as fait un grand travail. À Austerlitz, j'étais première assistante, comme on dit, c'est-à-dire celle qui fait tout le sale boulot, qu'on lui dit, le metteur en scène vous dit, je m'en fous, je veux qu'à telle heure, tout soit prêt. Il faut se lever à 5 heures du matin pour qu'à cette heure-là, tout soit prêt. Et tout était prêt. Mais je lui suis très, je répète, très reconnaissante parce qu'il m'a tellement jeté la tête en avant dans les difficultés que maintenant, rien ne me fait peur, les choses peuvent m'inquiéter, mais je me dis, il y a sûrement une solution. Simplement, il faut la trouver. Austerlitz, c'était plein de vedettes. Il y avait Orson Welles, qui était magnifique. Alors, Pierre Mondy, qui était correct, jouait Napoléon. Et puis, il y avait une comédienne qui s'appelait Martine Carol, qui jouait Joséphine. Et qui était une petite peste.
peu à ses cendres. Elle était une petite peste. Elle était, je dirais même qu'elle était méchante. Mais peut-être jalouse de toi. Mais jalouse de quoi? J'étais l'assistante qui s'occupait de tout ce qui était déplaisant à faire, non? Tu étais aussi Madame Recamier. J'ai joué aussi Madame Recamier, ça qui lui a beaucoup plu, déplu, parce qu'elle trouvait, elle avait dit partout, regardez, c'est honteux comme elle est décolletée. Vous savez, Madame Recamier était très décolletée. Elle était plus décolletée que moi, mais non, mais enfin, qui se souvient maintenant d'elle, à part dans les cinémathèques. Et avec Abel Gance, tu as continué à être très proche après? Oui, après j'ai continué et on a fait ensemble, bon, après tout le Majorama, j'étais la metteur en scène de la deuxième équipe de ces films. C'est-à-dire que quand il y a des films très compliqués à faire, les choses qui sont encore plus difficiles et plus déplaisantes, on les laisse au metteur en scène de la deuxième équipe, c'est-à-dire à moi. Mais j'ai dit, j'étais très heureuse parce que j'aime bien la difficulté. Ce n'est pas la difficulté que j'aime, c'est de savoir qu'on peut arriver à la surmonter. Donc, c'est de ça. Quelque part, j'aime bien la lutte. Je n'aime pas que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche parce que alors, ce n'est pas bon. Ensuite, tu as rencontré Claude Makowski. Avec lui, on a beaucoup travaillé ensemble. Et un jour, béni entre tous dans l'Olympe, Claude m'a dit, madame, tu as fait beaucoup de courts-métrages, des courts-métrages d'art. Il est temps de faire un long-métrage. Et qu'est-ce que tu veux faire comme film? Et c'est là que j'ai eu cette sorte d'illumination. J'ai dit, je vais raconter l'histoire d'une sorcière des temps modernes qui brûle les inquisiteurs au lieu de se laisser brûler. Claude Makowski m'a regardé très intéressé, il m'a dit, tiens, raconte. Et c'est comme ça qu'on a écrit ensemble La fiancée du pirate. Et le travail avec Bernadette Lafont? Bon, Bernadette était un être extraordinaire, mais elle avait toujours travaillé avec des gens qui lui laissaient passer ses caprices et sa manière de faire. Il a trouvé quelqu'un qui lui a dit « Non, Bernadette, c'est pas comme ça que vous devez le faire, c'est comme ça. » Alors, c'était un peu tendu, mais elle l'a fait. Et heureusement, je me souviens toujours que beaucoup de mois plus tard, quand les films étaient sortis dans les salles, elle m'appelait un soir à minuit pour me dire « Merci Nelly, j'avais pas compris. » Donc, elle était déjà l'actrice de la nouvelle vague, on peut dire. Oui, mais ça, je m'en foutais. Ce n'était pas quelque chose qui m'avait frappée. Je trouvais que le cinéma est un art et que ça ne s'improvise pas, que tout doit être préparé. Alors, ce côté nouvelle vague, on arrivait sur le plateau sans savoir ce qu'on fait, ça ne me plaisait pas trop. Ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, dans ce film, il y a tous ces personnages, il y a un peu de mystère et il y a un départ à la fin. Elle part vers autre chose. Il faut toujours partir quand on n'est pas content de l'endroit où on se trouve. Donc elle part et peut-être comme moi, les jours où j'ai pris un bateau, je suis partie aussi. Est-ce que tu as été étonnée par le succès de ce film? Je n'étais pas étonnée, je trouvais ça normal. J'ai dit, je travaillais comme un chien pour faire ce film. Quand on l'écrit avec Claude Makowski, on a beaucoup travaillé. C'était pas de l'improvisation, c'était pas écrit à la va-vite. Donc, quand au Festival de Venise, on était applaudi pendant 10 minutes, j'étais très heureuse. C'est pas que j'ai trouvé ça normal, j'ai trouvé ça. On a travaillé et on était reconnu. Alors tout va bien. Quand vous bavez pendant des mois pour faire quelque chose, il y a des solutions où elle est reconnue et vous êtes très heureux, ce qui était le cas, où elle est ignorée et là, on s'est dit bon, allons au prochain. Mais il y avait des problèmes avec la censure à Paris. Des problèmes avec la censure, j'ai toujours eu. Je ne sais pas pourquoi, je ne leur plais pas. Donc, au moment de La fiancée du pirate, ça a commencé à Paris, il est passé à la censure, interdiction totale.
J'étais folle de rage. Et en plus, très inquiète avec Claude, parce qu'on avait tout investi dans ce film. S'il ne passait pas, c'était la catastrophe. Alors, je suis allée voir les messieurs qui s'occupaient de la censure, qui m'a dit, écoutez, dans ces films, ce qui est mauvais, c'est la fin, parce qu'elle s'en sort vivante après tout ce qu'elle a fait. Alors, vous me tournez une autre version où elle est tuée à la fin, et vous aurez les visas. Là, j'ai sauté en l'air, j'ai dit, jamais la vie. Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Je vais raconter à tout Paris, ils ont des amis très puissants, ce qui n'était pas vrai. Mais je me suis vantée que j'allais provoquer un scandale en racontant comment on essayait encore de tuer par la censure la création. Et je pense qu'il a eu peur parce que je devais déchaîner. Je pense que j'ai hurlé, j'étais très en colère. Il m'a dit, bon, interdiction au moins de 18 ans, presque foutait le camp. Je suis partie en courant. Et après ce grand succès, il y avait Papa, les petits bateaux. Oui. C'est l'histoire d'une riche héritière. Elle est kidnappée et elle fout tellement le bordel chez les kidnappeurs qu'à la fin, elle s'en sort, elle, avec la rançon même. C'était très dur à tourner, mais en général, tous les tournages sont très durs. Il ne faut pas raconter qu'on s'amuse et qu'on rigole. Si on s'amuse, si on rigole, je suis sûre que les films, à la fin, ne sont pas très bons. Il y a les dictons, quand on rit au tournage, on pleure au montage. Dans tes films, il y a un mouvement comme si c'était une chorégraphie. Les acteurs bougent bien ensemble, je trouve. Oui, mais d'abord, en général, quand je les choisis, je fais attention qu'ils ne se détestent pas dans la vie, parce que si des comédiens se détestent dans la vie, ça se voit dans les films, quoi qu'on raconte. Donc il faut, si après ils veulent se brouiller, qu'ils se brouillent, mais pendant les tournages, il faut que tout se passe très bien. Et alors après, c'est Néa. Oui, c'est-à-dire que Néa, c'était à l'origine une histoire qui avait été écrite par Emmanuel Arsan. Donc, quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, je lui ai téléphoné pour lui dire, Emmanuel, on me demande de faire ce film, mais je voudrais modifier un peu l'histoire. J'ai dit, elle éclatait de rire. Elle dit, Nelly, faites ce que vous voulez, j'aime ce que vous faites, et tout sera bon. Elle ajoutait, j'étais très bien payée pour ce film, alors faites vraiment ce que vous voulez. Mais c'était l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille dans une famille très aisée en Suisse, qui était complètement révoltée et très en avance sur elle-même et sur sa famille surtout. Elle écrit un roman érotique. Elle écrit un roman et comme elle est mineure et que c'est un roman très audacieux, l'éditeur, qui était joué par Sammy Frey, lui dit qu'il ne faut pas les publier sous son nom. Et ce petit salaud fait croire à tout le monde que c'est lui qui écrit le roman. Ce qui déplaît beaucoup, beaucoup à Néa, qui se venge. C'est bon, la vengeance. Il fallait qu'il se venge, je ne pouvais pas accepter qu'on lui fasse ça. Alors, ses parents, c'était deux comédiens magnifiques, c'était Heinz Behnendt, et puis la toujours formidable Micheline Prell. Et Micheline Prell aussi est en avance parce qu'elle tombe amoureuse et elle fait l'amour avec sa belle-sœur. Oui, soi-disant, elle est avance dans le film. Je pense que dans la vie, elle était aussi toujours très en avance. Mais c'est un être magnifique. Donc, elle a une liaison avec sa belle-sœur. Ce qui ne plaît pas du tout à Marie, du tout, du tout, du tout. Donc là, les histoires commencent. Ça, c'était reçu comment, ce film ? Pas très bien. Pas très bien. En plus, il avait été interdit au moins de 18 ans, après avoir frôlé l'interdiction totale. Ma mère, je me souviens, à Paris, était venue, et je lui montrais Léa. Ça l'a beaucoup frappée parce que Néa est en conflit avec son père. Donc, je sais qu'elle est sortie du film très émue. Très émue. Et alors, après, c'est Charles et Lucie. Oui. Très léger. Charles et Lucie, c'est l'histoire d'un couple pas très jeune
qui a oublié que la révolte et le bonheur peuvent exister et qui mène une vie d'égrène médiocrité, jusqu'à un moment où, par une suite de circonstances, ils sont obligés de s'enfuir et de partir sur les routes. Et les faits qui sont obligés de redevenir eux-mêmes fait qu'ils se retrouvent aussi. Donc ça finit très bien. Et après, Pâte de velours, un de mes films préférés. Oui, c'est un bigame. Et un jour, ces deux femmes, par un hasard dont les metteurs en scène, les réalisateurs ont tous les droits de concocter, elles se retrouvent. Et au lieu de se crêper le chignon, elles décident de punir leur petit bigame de mari. Et là, tout commence. Et encore avec Bernadette Lafont, qui est formidable. Oui, peut-être Bernadette n'aimait pas trop, n'est pas été toute seule. Mais je lui dis, Bernadette, c'est comme ça. Apprendre à laisser. Et Arditi, il est formidable. Ah, il est formidable. Il était formidable, il était déchaîné. Et alors, celui qui vient les voir, c'est Michel Bouquet, qui arrive, dont on ne sait pas trop pourquoi, sauf le réalisateur, et qui, au fond, vient se venger. Alors, à partir du moment où il arrive, le pauvre bigame n'a que des problèmes, il tombe dans des puits, il s'est fait attaquer, enfin, il a tous les problèmes. Et on saura plus tard que c'est Michel Bouquet qui est à l'origine de tout ça pour se venger. Ça, c'était en 91 que tu as fait Plaisir d'amour. Oui. Et après ça, on n'a pas vu ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis cherchée, je me suis trouvée. J'ai écrit des romans. Je n'ai pas accepté, on ne veut pas que je fasse des films. J'écrirai autre chose. Seuls sont les indomptés, mais il ne faut pas se laisser dompter. Donc, j'ai jamais baissé les bras. Jamais. Ce n'est pas mérite, ça doit être dans mes gènes. Je pense que peut-être plusieurs générations en avant, quand mes ancêtres couraient dans la steppe pour fuir les Cosaques, parce que les Cosaques n'aimaient pas les Juifs. Tiens. Donc, oui, c'est une nouvelle, oui. Donc, je savais qu'il fallait s'échapper des Cosaques, mais ne pas s'enfuir à soi-même. Donc, j'ai lutté.